L'Administration nationale des sciences, des technologies et des industries pour la défense nationale a annoncé le lancement d'un orbiteur lunaire ce week-end. Ce dernier effectuera un vol d'essai pour revenir sur Terre. L'engin spatial va revenir sur Terre après avoir atteint une orbite proche de la Lune. Il atterrira dans la région autonome de Mongolie intérieure, dans le nord de la Chine. Le vol d'essai est une préparation avant la mission lunaire de Chang'e 5 qui aura lieu en 2017 et dont l'objectif sera de collecter des échantillons du sol lunaire. La fusée Longue Marche 3C transportera l'engin vers l'espace. Mercredi, le carburant a commencé à être injecté dans le propulseur. D'autres travaux de préparation seront en cours au centre de lancement de satellites de Xichang, le lieu du lancement.